50 francs, ça vous va? Ah, mais non. 70 000. Yeah. Tu mens tellement que c'est... Ce soir-là, en montant l'escalier, maman calculait son potentiel chiffre d'affaires. Elle calculait tous les escarpins et toutes les robes qu'elle allait désormais pouvoir s'acheter. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Je t'expliquerai. Tu sais, je la connais l'histoire. Comment t'es tombée amoureuse de ton client, que t'avais pas attendu d'être dans ton appartement pour te donner à lui. Attends un peu quand se déteste. Aujourd'hui tu me trompes belle, mais plus tard. Ils viendront bien les coups de schlag. Je sais que t'es là. Mais j'étais pas une fille facile, hein, pas tant que ça. Mais papa, tu comptes le revoir? Est-ce que ça va vraiment vous rendre heureux? Mais ça, on sait qu'à la fin, ça sert à rien d'y penser avant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais rentrer demain. Papa, je t'en supplie, mets un slip. Telle fille, telle mère. Je suis restée. On peut pas continuer à vous cacher. Mais pourquoi nous, ça nous convient comme ça? Il y a ton ex-mari qui est là. Hein? Alors écoutez, je vais vous demander de sortir de chez moi et de ne plus jamais y revenir. Vous préférez pas qu'on se bagarre? T'aimes bien quand je te prends dans mes bras comme ça. Laura a toujours été très douée pour cacher ses sentiments. Pas de sexualité entre nous, c'est fini ça. Même pas l'idée de la sexualité. Est-ce qu'on pourra arrêter de se tromper les uns les autres? Tu fais pas ça quand je suis là! Et tu restes là ici maintenant! Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.